Nous n'avons pas vu le rocher où Abraham a offert le sacrifice à Dieu parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur de la mosquée. Pourtant, de très belles photos de l'intérieur de la mosquée d'Omar existent dans les albums Pouvoir du Bakhchich. À l'opposé donc du dôme du rocher, nous voyons le mont des Oliviers avec les bulbes de la cathédrale russe orthodoxe. Et de là, on voit le mont des Oliviers. Oui. Sur l'esplanade, les portes de la repentance et du pardon qui ont été fermées par Saladin. À cet endroit, ou à peu près, Jésus a rencontré un mendiant qui demandait de l'argent. Un mendiant aveugle. Comme Jésus n'avait pas d'argent à lui donner, il lui a dit « Je ne peux pas te donner d'argent, mais je peux te donner la vue ». Et là s'est accompli le miracle de l'aveugle qui a recouvré sa vue. Nous sommes sortis par la porte nord de l'esplanade du temple, l'église Sainte-Anne. L'église Sainte-Anne, construite par les croisés au XIIe siècle pour célébrer la mère de Marie. Anne, la mère de Marie, et Joachim, son mari, vivaient ici, sur cet emplacement, d'après un témoignage apocryphe, donc qui n'a pas été retenu par le canon des Écritures. Marie, donc, aurait été élevée au temple qui est tout près d'ici. Ici, tout près de l'église, sont les bassins de Bethesda. Dans ces bassins, se pratiquait un rite qui rendait hommage, qui rendait le culte à Esculape, le dieu païen Esculape, Esculapios. Et Jésus, lorsqu'il s'est approché de ces bassins, a vu un paralytique qui donc recherchait la guérison auprès d'Esculape. Jésus lui a dit, mais ça n'est pas à lui qu'il faut t'adresser, c'est un dieu païen, moi je peux te guérir. Et il a, de cette façon, guéri en ces lieux, le paralytique. Lève-toi et marche. L'intérieur de l'église Sainte-Anne, aux lignes très pures et très dépouillées. Sainte-Anne. Dans la crypte de l'église Sainte-Anne, une icône représentant la Nativité. Je précise, icône représentant la Nativité de la Vierge, puisque nous sommes dans l'église de Sainte-Anne. Les ruines d'une chapelle extérieure à l'église, également construite par les croisés. Un croquis de Notre-Dame de Sion de l'esplanade du temple. Le couvent de Lecce Homo. À droite. Et voici le palais de l'Antonia, le palais de Ponce Pilate. Et puis on l'appelle. Trouvé auparavant la forteresse Antonia, dont on parle dans la passion. Barabbas qui était enfermé.
Ceci est le lithostratos, le dallage même, que Jésus a foulé dans le palais Antonia lorsqu'il a été présenté par Hérode au peuple juif. Ici, des dessins qui ont été gravés par des soldats romains sur le dallage. C'est une partie du dallage authentique. Les deux premières stations du chemin de croix ont été dites en sous-sol. Nous allons maintenant sortir dans la vieille ville de Jérusalem et suivre le chemin que Jésus lui-même a suivi en portant sa croix. Au fond, ce dessin, gravé par le soldat romain, est en réalité une sorte d'échiquier. Nous sommes sortis du palais Antonia, où nous avons suivi les deux premières stations du chemin de croix. Les autres stations vont être faites à l'extérieur, dans la vieille ville de Jérusalem. Lieu de la troisième station. Jésus tombe pour la première fois à cet endroit. Là où il y a la discorde, tu te mets l'union. Là où il y a l'erreur, tu te mets la vérité. Jésus tombe pour la première fois. Quatrième station, rencontre avec Marie. Sur le lieu où a été construit maintenant un oratoire franciscain. Non pas arménien, mais non pas franciscain, mais arménien. Nous suivons la Via Dolorosa. Cinquième station, Simon de Cyrène se charge de la croix. Les cartes, les téléphones, téléphone cartes. Entrer dans un oratoire franciscain. À Simon de Cyrène, on impose la croix. Sixième station, Véronique essuie le visage du Christ. Ici a été construite une petite chapelle orthodoxe grecque dans laquelle nous allons entrer. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Huitième station, les saintes femmes pleurent sur le passage du Christ. L'emplacement est marqué par une croix dans la pierre, une croix noire. Nous adorons qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie le guérit. Nous sommes encore dans le souk, mais les dernières stations se situent dans le périmètre du Saint-Sépulcre. Bonjour. Les dômes du Saint-Sépulcre.
L'entrée dans le périmètre du Saint-Sépulcre. L'endroit est gardé par les Grecs orthodoxes. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Le fût d'une colonne antique. Il s'agit d'un monastère copte à l'endroit de la dixième station. L'intérieur du monastère copte, gardé par des Éthiopiens. L'intérieur du monastère copte. Dixième station, division des vêtements. Mais tirons au sort qui l'aura. Voilà ce que font les soldats. Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Dieu avait donné, Dieu a repris. Les soldats se partagent les vêtements de Jésus. Arrivé au emplacement, sur l'emplacement du Golgotha, Jésus est mis en croix. Ceci est une chapelle grecque orthodoxe. Un rocher du Golgotha. La fissure que voici a été faite dans le roc au moment où Jésus a expiré. Comme le dit l'Évangile, la terre et la roche se fendirent. Le trou où la croix a été plantée. Treizième station, le corps de Jésus est remis à sa mère. L'endroit, à présent recouvert de marbre, où l'on a déposé le corps de Jésus après qu'il fut descendu de la croix. La construction de bois datant du 19e siècle, qui a été édifiée au-dessus de la grotte, au-dessus du Saint-Sépulcre. La grotte où le corps du Christ a été déposé. Je corrige, le monument qui recouvre le Saint-Sépulcre est en pierre. Il a seulement la couleur du bois. C'est une grotte, hein ? Oui, c'est une grotte. On fait des choses blanches. Le Saint-Sépulcre. Saint-Sépulcre. Et nous avons vu le Saint-Sépulcre. Mais rassurons-nous. Le tombeau du Christ n'est resté occupé que 3 jours durant, car Christ est ressuscité, Christ est vivant, selon les Écritures des prophètes, et c'est cela
le fondement de notre religion chrétienne. La chapelle est dédiée à Marie-Madeleine Myriam, la première des saintes femmes à être revenue au tombeau et avoir découvert que le Christ était ressuscité. Différents tombeaux qui ont été creusés dans le rocher du Golgotha, à proximité du tombeau du Christ. Tombeau du Christ.